Bonjour à toutes et tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien et que vous avez retrouvé le soleil. Nous ici, ça a été compliqué, mais comme partout en France d'ailleurs. Donc ce film a été réalisé dans des conditions parfois un peu pénibles. Alors avant de continuer, je vais passer, vous allez voir, dans un bouquet de mimosa. Voilà, c'est fait. Alors, ce petit film aujourd'hui, un petit road trip avec l'ami Jean qui va venir m'accompagner. Et nous sommes à la recherche d'un viaduc abandonné. Mais rassurez-vous, on l'a trouvé.
Elle est pas belle la vie. Thank you.
Il y a un pivert. C'est ici, au sommet du col de Vence, que je vais prendre congé de vous. On se retrouve évidemment dans 15 jours. Et en attendant, bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, et bye bye.
Toc toc, il y a quelqu'un? Salut Henri. Bonjour Dominique, bienvenue. Salut, salut. Cucuron, dans mon petit musée, un endroit magnifique. Oh, j'ai l'impression qu'il n'est pas si petit que ça. Dominique se présente une belle machine de motocross, c'est une vraie vélocette type MSS, une scrambler qui a été achetée à Las Vegas aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. C'est une moto qui se pilote parce que c'est une moto de course de Grand Prix. Voilà. C'est une moto qui pèse 170, 180 kg à l'époque, il fallait avoir des gros bras pour piloter ce genre de machine. Et elle était très très rare à l'époque. Aujourd'hui je suis heureux et fier d'avoir cette belle vélocette dans mon musée. J'imagine. Ce moteur de vélo, c'est une cathédrale, ce moteur. Ce que je trouve très beau sur cette terreau, c'est le réservoir. Chez terreau, il y a une forme extraordinaire, il y a un design, c'est beau, il y a des nervures. Pour moi, c'est les plus beaux réservoirs chez les terreaux. Cette moto, c'est le rêve de tous les collectionneurs. Parce que c'est une moto qui sort de grange, qui n'a jamais été touchée ni restaurée. C'est un très beau modèle. C'est une Terreau HSSGR, R veut dire rallye, grand sport. On pouvait s'asseoir sur le petit coussin à l'arrière qui est disparu par le temps. Les vitesses étaient à la main ou en option au pied. Elle possède une boîte 4 vitesses. Et elle roulait très vite à l'époque, c'est en dessous la moto de course d'usine. Mais c'est une moto compétition client quelque part. Très belle moto qui vient de mon village.
On met la pièce ici, elle descend, elle se met en place, et là on commence à prendre le volant, et on commence à piloter doucement, parce que sinon on risque de la perdre, la pièce. Hop là. Ah oui. Voilà. Et là, je ne l'ai pas perdu pour l'instant. Hop là. Et là, il faut que j'aille en bas tout le long. Hop. Là, je ne l'ai pas perdu pour l'instant. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Le plus dur est là. Eh, là, on voit si tu es un pilote ou pas, voilà, quoi. Voilà. Hop, là, il faut la reculer. S'il y a une petite bosse, ça se prête. S'il y a un petit vis, là, qui est ici. Hop, là, je vais perdre. Voilà Dominique, c'est mon musée, c'est plus qu'un musée, je l'adore, c'est presque un centre de rencontre, un peu tout, passer un temps fou, il y a un jukebox, il y a un petit bar pour boire le coup avec les copains. Belle moto de compétition, de speedway, c'est très beau, c'est magnifique, j'en ai trouvé une, j'ai beaucoup de chance, surtout avec un Jap magnésium, un vrai moteur Jap racine de Grand Prix, avec un carburateur très spécial, double cuve, pour alimenter ce 500, un filtre à air qui prend l'air que d'un côté pour la poussière bien sûr, ça roule en travers pendant tout le moment de la course, c'est très court, très bref, ça roule sur un anneau sur terre, très belle machine. Le car appartenait à une famille espagnole dont j'ai la photo, regarde bien, c'est la famille espagnole avec des amis dans le Cidecar. Ils étaient 5 assis dessus, c'est presque un tracteur cette machine. On a envie de le piloter.
ça c'est joli, hein. Ça c'est les cyclosports des yéyés, ça. Alors ce petit modèle marchait à pile et quand le petit clown percutait, l'avant touchait le mur et le clown travaillait dedans comme la vraie auto-tamponneuse. Ah oui, là c'est magnifique. Ma belle butte à Comitrala, elle a une position sport, très sport. Si j'ai bien compris, Alain Prieur a beaucoup compté pour toi dans ta vie, en fait. Oui, Dominique, j'ai toujours le goût du risque gamin. Et le 11 août 74, je me déplace à Fort-Galtier voir un gars qui bat un record du monde de saut en moto. Et là, vraiment, je me suis déplacé pour voir ce grand saut. Alors, pour l'époque, 74, c'était un grand saut pour moi. 45 mètres 25. 45 mètres. Ce casque-là, porté, ce casque Alain Prieur, ce jour-là. Bien sûr que ça finit très mal. Ah. Il n'avait pas l'expérience comme il a eu après. Et 45 mètres 25, ça a fini bien sûr à l'hôpital. Hein. Ça, c'est bien normal. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est ouais. Normal. Voilà, mais je suis heureux d'avoir ce beau casque aujourd'hui dans mon musée. C'est sa maman, dans l'intérieur, qui m'a apporté tout ça, quand il est venu manger avec ma maman ici. Voilà, les bottes, c'est plein d'objets aussi, et tout ça. Et heureux d'avoir tout ça aujourd'hui, parce que je le porte souvent quand je roule la moto, je fais un tour dans mon domaine et tout. J'ai ce casque-là. Il a des manettes, tu la vois là-bas au fond, jaune. Regarde. J'ai tellement de choses. Thank you.
Quelle année ça? Ça c'est 56. Quelque chose, hein. J'ai eu une chance inouïe d'avoir acheté cette auto. Bon alors Henri, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que tu as, c'est tellement incroyable. Donc la moto, l'art forain, parlons de l'art forain puisque tu es dans une magnifique auto tamponneuse. Ah, je suis fier d'être assis là-dedans parce que j'ai passé mon enfance là, j'attendais dans mon village la fête votive. Pour monter dans les voitures, elles étaient moins vieilles que celle-ci, parce que ça, c'est années 30, en fait, c'est des voitures introuvables aujourd'hui. C'est fait en bronze, on voit de la pièce en bronze, les volants en aluminium. Il n'y avait pas de jetons comme maintenant, il y avait le jeton en aluminium. Ça veut dire qu'on allait chercher les jetons à la guitoune, et le gars ramassait le ticket en aluminium. C'est une voiture qui est rouge et noire, qui est magnifique, c'est très beau. Elle est fabriquée en Belgique à Charleroi et c'est un modèle assez rare, très rare, très rare, en bronze et tout. Et pour acquérir une voiture comme ça aujourd'hui, on peut dire que c'est presque pas possible, mais c'est presque le mot qu'il faudrait. Ah oui, parce que c'est tellement cher maintenant, ces voitures. Les prix ont monté. Moi à l'époque, j'ai trouvé ça. C'est un ami qui m'a vendu aujourd'hui, il est devenu un ami. Oui, t'aimes bien aussi les objets de manège. J'aime les autos à deux places, à quatre places, surtout en métal. Quand c'est en métal, c'est beau, parce que ça a du mérite d'être conservé, surtout l'art forain, c'est faire la main, c'est taper au marteau. Et oui, c'est la première auto tamponneuse, si on va raconter, c'est peut-être un peu long, je coupe très court, c'est un fauteuil roulant avec un volant, et monsieur Gaston Reverchon, à Samoa, à Paris, dans la zone, un forain lui demande de lui faire une voiture, en fait. Et c'est Gaston Reverchon qui a créé la première carrosserie de l'auto tamponneuse. Et après, c'est devenu le number one, le meilleur constructeur au monde. Même aux États-Unis, ça partait, ses voitures et tout. Et il a une belle histoire, monsieur Reverchon. Henri, j'aimerais que tu nous parles de la moto. Comment c'est venu? Parce que je pense que... et surtout, en fait, cette envie de collectionner les choses. Quand tu étais enfant, là je parle sous ton contrôle, quand tu étais enfant, tu aimais bien chiner un peu et tu ramassais des carcasses de vieux vélos, des choses comme ça. Et c'est comme ça que tout a commencé finalement. Alors tout a commencé parce que quand on est fils de paysan dans un domaine pareil, avec des hectares de terrain, moi j'avais envie, je voyais des motos, je les transformais en motocross. Mais avant tout ça, bien sûr, le début a commencé par le petit vélo copié, et avec des bambous, faire les doubles échappements, un petit réservoir de mobilette dessus, une épingle pour le son. Ah oui. Ça, en fait, ça a été ma première moto, mon rêve de piloter une moto un jour. Alors, quand j'ai commencé à grandir, après cette passion du petit vélo, j'ai passé au moteur. Mais alors, moteur, on n'avait pas de sous, mon père, il travaillait beaucoup, on n'avait pas de moyens pour acheter des motos de cross d'œuvre comme aujourd'hui, tous les gamins, ils ont. Je chinais tout seul, je partais, je marchais dans la colline, j'allais dans la plaine, en bas, il y avait un ravin qui s'appelle le ruisseau de la Graille, et là, les paysans jetaient, il n'y avait pas de déchetterie à l'époque, les paysans jetaient tout ce qu'ils avaient à débarrasser dans les greniers et tout, et je me vois une petite moto, là, je descends dans le ravin, je regarde, pas de roue, pas de carburateur. Hirondelle à Saint-Étienne, un petit sang de temps, qui a été jeté là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté chez moi, pris 4 clés dans les poches, j'ai démonté tout ça en morceaux, j'ai remonté à ma ferme, et j'ai monté tout ça, j'ai essayé de retrouver de où, bidouiller comme j'ai pu, y mettre des numéros dessus. Ah, et là, avec les copains, on a commencé à créer la colline en face de moi, là que tu vois, avec les pins, hein, Dominique, j'ai créé ma première piste de motocross, comme une vraie piste de cross, on tirait, on mettait les vieux pneus, on piochait, on faisait ça. C'est là qu'est venue la passion de la moto, du cross. Voilà. Et là, après, moi, la passion de mon musée, c'est surtout le thème du motocross. C'est grâce à mon enfance, le motocross. Mon papa me menait à Pernes au Grand Prix, Lissersog à Souspiron. Je voyais les champions, Bakou, Jacques Porte, et oui. Meilleurs, et je les admirais. Il y avait Pedro Pi qui gagnait à Cavaillon. C'était magnifique. Hein. Les pistes de cross, c'est ma vie.
Et après, moi, je suis devenu collectionneur de motos de motocross. Et après, j'ai affiné mon musée avec des motos à courroies pour que les gens qui viennent, les amis, les copains, partagent ma collection avec moi. Voir tout le monde de la moto qui est différent. Il n'y a pas que le motocross, il n'y a pas que tout est beau dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Et tu as créé ton musée un peu pour ça, pour tes amis, pour... Voilà, je me suis rendu compte que j'avais une très jolie collection au fur et à mesure du temps, parce qu'on peut se priver de beaucoup de choses par rapport à sa passion. Et là, j'ai déniché de belles machines et tout. Et puis, vu le confinement qui s'est passé, mon premier musée, ça a été le petit poulailler à ma maman. J'ai viré les poules quand elle est décédée. Et là, j'ai créé mon premier petit musée sur le motocross, simplement, le thème du motocross. Et après, l'écurie est venue musée aussi, où il y a des belles choses, de la forêt et tout. Et après, j'ai transformé la bergerie aussi de mon grand-père, qui est devenu le beau musée où il y a le bar, le jukebox. Voilà, qu'on a déjà vu là. C'est plus qu'un musée, en fait. C'est presque un centre de rencontre chez moi. J'aime partager, moi. Pas que les motos, mais la musique, la danse, surtout. Tout me plaît, tout m'intéresse. C'est génial. C'est dingue. On ne verra pas tous les jours une, hein. Ça, c'est de l'époque de Fangio, quoi. Oh, le nombre d'enfants qui ont dû rêver au volant de ces voitures. Moi, je n'ai jamais eu une voiture. C'est pour ça que je m'en paye aujourd'hui, tu vois. Ben oui, t'as raison. Acteur que j'ai sauvé de la ferraille, tu vois, moi. Alors là, te voilà dans une magnifique auto-tamponneuse. Merci. Ouais, non, mais elle est très belle celle-là aussi. Hein. Et j'aimerais que tu nous parles de la cascade. Parce que je crois qu'il y a une relation entre les auto-tamponneuses et la cascade. Tout à fait, Dominique. Quand j'étais petit, j'ai passé ma vie, tout mon pognon, il passait dans les auto-tamponneuses. À la fête votive, chaque pièce que j'avais, c'était pour conduire les auto-tamponneuses. Et c'est vrai que j'ai appris à percuter peut-être là-dedans. J'ai appris à faire les revers à marche arrière dans une auto-tamponneuse. J'étais toujours à marche arrière à l'envers. Et c'est peut-être là où est venue la passion du volant. Après, plus tard, bien sûr, quand j'ai grandi, j'ai été voir des cascadeurs dans les années 70. Et c'est là que je me suis dit un jour, pourquoi pas moi ? On va au poulailler, hein ? Après, c'est vrai que c'est beau quand tu vois un film, c'est encore plus beau. Un film, moi j'aime les films. Tu pourrais me dire un mot sur cette machine là, la orange là ?
Oui, alors cette machine, c'est le Montesa Cabra Grand Prix qui a été champion de France en 68 avec un pilote français de Cavaillon, du coin, Jackie Porte, et piloté la même, 500 en plaque jaune, bien sûr, dans l'essence. Voilà, ça, c'est introuvable, ça, aujourd'hui. Et la JS, elle est de quelle année? Oui, la JS, c'est les années 70. C'est un 500 aussi, c'est un 410 exactement. Plaque jaune, 500. Une moto rare aussi. Pilati Giuni, Marseille. Il était marbrier à Saint-Pierre. C'était sa moto d'usine préférée en Italie. Et là, c'est quoi cette moto avec cette fourche incroyable là? Oh là là, ça c'est une moto incroyable. C'est une Dot de motocross, Dot Demon. C'est un modèle de motocross primitif. C'est la première vraie moto de compétition de motocross. Assez rare, elle n'a pas eu beaucoup à l'époque. Elle cassait toutes, elles ont été ferraillées. Triumph Tripza 1960. C'est un bicylindre, elle démarre au quart de tour, un coup de kick. Et c'est la moto qui me plaît le plus. Ah, ça y est, ça arrive. Et que ben, je m'en sers pas tous les jours. Hein. On appelle ça titiller le carbu, ouais, c'est ouais. Ça. Et avec le casque d'Alain Prieur, s'il vous plaît. Eh bien, mon cher Henri, je vais donc devoir te quitter après avoir passé 2 jours, on peut le dire. Hein. 2 jours. 2 jours ici. Mais c'était vraiment super. Merci infiniment pour ton accueil. Merci pour toutes les belles choses que tu nous as dévoilées pour moi et aussi pour tous les abonnés de la chaîne dans le moteur. Donc tout le monde va être ravi, j'imagine. Puis tous les autres, tes amis, ta famille, le village de Cucuron, j'espère. Alors moi, je vais te dire merci déjà, Dominique, pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi, je vais partager cette vidéo, bien sûr, toi aussi, moi aussi, grâce à tous les deux. On va partager tout ça avec tout le monde. Mais Dominique, tu vas pars déjà, c'est dommage, tu pourrais passer une semaine chez moi. Ah bah là, là c'est clair, il y a tellement de choses ici, mais là, c'est fou. Et on va se revoir. Oh, on va se revoir, voilà. C'est sûr. D'ailleurs, comme on dit, c'est, si on veut se revoir, faut se quitter. Exactement. Donc merci. C'est le moment ou jamais. Dominique, bonne route. Salut Dominique. Je te merci salue. Encore une fois. Bah, merci bon à toi. Je te salue. C'était merci, vraiment Dominique. Super. Merci beaucoup. À très bientôt et puis allez, j'ai hâte de voir ça.